Bon, il y a moyen de faire mieux, bien évidemment. Alors, on a quoi? Scindé d'Ar Argus. Scindé. Non, 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 tu tiens. Hop. 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 Il est là. Alors. Bon, on va prendre le tir arcanique, hein, parce que de toute façon, j'ai rien de mieux pour le moment. Oh, j'ai fait de la merde. Oh là là. Oh, hé. Ça y est, je suis plus concentré. Sous contrôle ou deck parfait? Sous contrôle. Oh, des vagues d'ennemis. Les vagues d'ennemis et ils explosent. Oh, ça va être le bordel. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, on a un poulpe. Non. Discipline de ninja, par contre, oui. Ça me va. Et le reste, bah, c'est pouf. Là, ils sont là-haut. Je vais quand même voir ce que c'est, mais bon. Ces munitions sanglantes, en vrai, ça peut être pas mal. J'ai perdu un peu de temps ici, mais c'est pas grave. Oh, les tempêtes de cartes, oui. Maintenant, il me faudrait un arc-en-ciel, s'il vous plaît. Je ne demande qu'un arc-en-ciel. Donner un pare-chaud. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Bonjour. Ah bah écoute, on va faire avec ça pour le moment, hein. Pour l'instant, on est bien. J'ai bien dit pour l'instant. Bref, répit. Ok, c'est de la merde. Je prends les cartes et on y va. Bon, peut mieux faire en vrai. En vrai, peut mieux faire. Alors, malédiction mortelle, c'est oui. Arc doré, c'est non. Scalpel, c'est non. En deuxième arme,
Et... Eh ben, jour de chance, ça peut être pas mal, ça. Dégâts d'armes et de compétences augmentés. Jusqu'à de capacité d'as... Ah! Ah, je vais augmenter les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bref, répit, ça m'intéresse pas des masses. Batteur de foot, c'est de la merde. Munition sanglante, c'est non. Vision d'aigle. Pourquoi pas? Après avoir chargé d'armes remplies. Non, c'est ça. On change. Bouclier de secours. Ah, pas mal. Ah, adieu. Ensuite. Bon, j'ai besoin vraiment de l'arc-en-ciel. Mais il voulait pas lui parler. Bah, le v'là l'arc-en-ciel. Voilà. Ok, c'est bon. Ah, voilà, là on est bien. Là on est mieux que tout à l'heure déjà. Mieux que tout à l'heure. Alors, tempête de cartes. Alors là, il me propose deux qui sont bien, mais je vais plutôt prendre tempête de cartes. Bon, ça, c'était facile. Allez. Eh ben, imprimante de cartes, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des pare-chaux? Non. Et on rentre dans la pire salle. Il est où le dernier? Il est là-bas au fond. Ah, puis je viens de tomber, mais vas-y. Je l'avais dit, pire sale, pire sale, pire sale, pire sale, pire sale, perte de temps. Eh ben, tempête de cartes, évidemment. Alors, skater, on va prendre, on verra après. Et on recharge. Ok, c'est parti. Thank you.
Adieu, Eole. Au moins, les boss, ça va aller vite. Alors, enchaînement impitoyable, oui. Angélique, c'est non. Argus, c'est non. Dar, c'est non. Alors, qu'est-ce qu'on a mis le tout? Plus 10% de dégâts d'armes, tir arcanique. Oh, persistance peut être pas mal. En vrai, je vais plutôt prendre tir arcanique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, faux. Ça garde. Pour l'instant, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Je garde tout. Je garde tout. Ok. Salut Esteban. Le hibou, en fait, c'est le dernier DLC qui est sorti. Et puis après, il se débloque avec, avec des âmes, comme d'habitude. Mais ça fait partie du dernier DLC. Ah merde, c'est par là-bas. Bah, c'est des... Bah, écoute, ça, le jeu s'apprécie aussi bien sans DLC, hein. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Balle lumière. Ouais, parce que j'ai les capacités doublées. Épée rédemptrice, ça peut être utile, mais j'ai pas de. Pas de parchemin maudit, le reste c'est de la merde. Allez, c'est parti. Le gameplay reste le même, ouais. C'est juste qu'avec les DLC, t'as plus de pare-chaud, t'as plus de héros, t'as plus d'armes, t'as des trucs qui se débloquent en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un sous contrôle ou deck parfait? Je vais prendre des dégâts. Sinon, le gameplay reste le même. C'est pour ça que je dis, tu peux très bien profiter du jeu sans les DLC. C'est juste que les DLC apportent vraiment, enfin, ça apporte juste une valeur ajoutée. Je crois que tu peux jouer sans le DLC avec des gens qui l'ont, donc ça te permet justement de tester quand même des trucs derrière. Qu'est-ce que tu fais toi derrière? Hop là, allez, ça se casse. Dégage toi. Ils ont pas le temps de popper, ça c'est bien. C'est ça qu'il faut pour le... C'est ça qu'il faut. Là j'ai une meilleure run que tout à l'heure. Ah voilà. Ah là on est bien. Parfait. C'est ça, exactement Esteban.
Rechargement de charge. Oh, dernière étoile, ça peut être. Allez. Oh, le Yoruime, ça devrait être une. C'est une purge. J'aurais préféré le serpent là. J'aurais préféré le serpent. Recharge tactique, oui. On se recharge les cartes. Là-bas. Il est où? Ah, il est là. Terminé. Oh. Bah ça dépend dans quelle catégorie, Esteban. Le World Record, là, avec mon perso, dans la catégorie de mon perso, c'est 8 minutes. Je suis à 11 minutes, j'ai déjà 3 minutes de retard, mais... En même temps, je speedrun pas de manière régulière. Prendre deck parfait, plus de dégâts. Du coup... Illusion, m'en fous. Dragon d'os, m'en fous. Dévoreur d'étoiles, m'en fous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Recharge tactique, non, ça c'est toujours utile. Balle lumière, en vrai, c'est utile aussi. Skater, du coup, m'intéresse pas. M'intéresse plus, pardon. Bobine magnétique, ça c'est utile. Ok. Ouais, bah écoute, c'est... Le mec a poncé le jeu, il a justement fait les fichiers de presets. Parce qu'en fait, il y a des fichiers de presets, des sauvegardes de presets qui permettent justement d'optimiser le speedrun. Là, je joue juste en mode vanilla, c'est-à-dire avec ma sauvegarde à moi. Et du coup, en termes de... Je me base vraiment... Je joue vraiment sur ma luck. Du coup, si vraiment ma luck est dégueulasse, bah, je me retrouve avec des runs dégueux. Hop là, je passe plus au coffre porteur. En vrai, je vais plus passer au coffre porteur et je vais plus prendre le coffre à la fin. J'ai un build qui est vraiment... Ouais, c'est bon. Ok, le build est largement suffisant pour finir la run. On peut accélérer du coup. Ah, c'est ça en fait, c'est si t'arrives à choper une bonne arme, la bonne arme dès le départ, t'as même plus besoin d'en changer. Après le build aussi, c'est tout plein d'optimisation. Là pour l'instant je suis plutôt content parce que j'ai vraiment une bonne run. Je crois que mon PB était à 16 minutes et quelques, donc là j'ai vraiment une run assez opti. Faut juste que j'accélère un peu la cadence et ça devrait aller. Hop, super. Allez, je me casse. Hop là, allez. Hop là, soucoupe volante, il n'y en a plus. Ah, c'est par là-bas? Ah putain, oui, c'est par là-bas. Ouais, bah justement, en fait, en speedrun, c'est... Le truc, c'est que tu prends pas tous les pare-chauds, tu fais pas toutes les salles. Vu que forcément, c'est du speedrun. Donc, si le build est pas opti, bah la run devient vite dégueulasse et... on perd vite du temps pour pas grand-chose. Je ferai sûrement une full run, full salle. Je me ferai peut-être un peu de réinca aussi pour voir.
Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il est où, le dernier? Ah, il est là. Allez, le boss. Alors là, je passe juste pour récupérer les packs de cartes. Oh, attendre du bien, ça peut être utile. Je me recharge en pack de cartes et là... Le boss, il devrait vraiment pas faire long feu. Yes! 14,52. Ouh! Non, pas, pas. Bah, au final, mon build était vraiment bien opti là sur la fin. Donc, j'ai pas eu besoin d'ouvrir les box là dans ce niveau là. Par contre, 14,52, je viens de battre mon propre PB. Je viens de me faire un sub 15 en solo. Ah, je suis bien. Bon, je suis quand même dans la catégorie avec ce perso, je suis quand même 3ème. Mais je suis bien. Alors, on va modifier ça du coup. Propriété. Voilà. Du coup, j'avais dit 14,52. Eh ben, c'est pas mal. Et c'est record, je vais pouvoir le submit. C'est bien ça. 14,52. Hop, 14 minutes 52. C'est un bon run. En vrai, pour moi, évidemment, c'est un bon run. Je suis pas mécontent. Ça s'est bien aligné. En vrai, sub 15, je m'y attendais pas. Et du coup, je suis placé comment, moi, sur... Je vais repartir voir. Bon, j'ai quand même 2 minutes de retard sur le deuxième, mais... Je vais regarder où est-ce que je suis justement dans mes stats. Je vais partager quand même que je puisse montrer. Hop. Que je puisse montrer. Voilà, là au niveau de mes stats, du coup... Alors attends, ah, avant, je suis con. J'ai oublié de la valider. C'est vrai que la run n'est pas validée si j'ai pas fait un truc en particulier. Je quitte. Pardon. Sorry, Pimelage, sorry Jack. Sorry, I just forgot to do that. Sorry, here it is. Sorry about that. Ouais, j'ai oublié pour valider la run, faut que je montre.